Geneviève de Fontenay. Sa petite fille Agathe sort du silence et dévoile une photo d'elle sans chapeau. Deux jours après le décès de Geneviève de Fontenay, Agathe, l'une de ses deux petites filles, lui a rendu un bel hommage sur Instagram. Elle a partagé une ancienne photo d'elle et de sa grand-mère, qui apparaît sans son fameux chapeau. Geneviève de Fontenay s'en est allée le 1er août dernier. À 90 ans, celle qui avait voué sa vie au concours Miss France, avant d'être remplacée par Sylvie Tellier, était très diminuée depuis un certain temps. À l'annonce de sa mort, les hommages ont afflué, aussi bien du côté des personnalités du PAF que des anciennes reines de beauté. Ainsi, Sonia Rolland, Miss France 2000, a partagé un hommage très fort qui a bouleversé les internautes. La vie vous a isolé d'un monde qui évoluait à une vitesse folle. Même si nous étions en désaccord sur bien des sujets, j'ai toujours eu une tendresse pour vous. On s'est fâché parfois, rabiboché souvent, mais terriblement considéré durant toutes ces années, a-t-elle notamment écrit. Geneviève de Fontenay était aussi très proche de ses deux petites filles, Agathe et Adèle, les filles de Xavier. Cette dernière lui avait adressé un beau message le 2 août sur Instagram. « Je n'arrive pas à croire que ma mamie n'est plus là. J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi. » Nous étions avec elle 2 heures avant sa disparition. Geneviève est partie ce 1er août 2023 à 23h dans son sommeil comme elle le souhaitait. C'est un immense vide qui s'installe désormais. Mamie, tu vas tellement me manquer. Je t'aime. Agathe de Fontenay sort du silence à son tour. Jeudi 3 août au soir, Agathe de Fontenay a elle aussi rendu hommage à sa grand-mère sur le réseau social. Pour cela, elle a partagé une ancienne photo sur laquelle elle apparaît petite, sur les genoux de sa mamie, sans son incontournable chapeau. Je n'ai pas de mots pour exprimer mon chagrin, je n'arrive pas à croire que tu n'es plus là et que je vais devoir me passer de ma mamie. Tu me manques déjà tant. Je t'aime, a-t-elle écrit. Un joli message qui témoigne de sa tristesse, et auquel les internautes ont été nombreux à répondre. Votre grand-mère incarnait la classe et l'élégance. Vous pouvez être fière de ce qu'elle a accompli. Elle a rejoint les étoiles mais elle figure pour toujours dans le cœur des millions de Français, peut-on lire dans les commentaires, ou encore. Plus tard vous aurez tous les souvenirs heureux qui prendront le dessus. Plein de courage à vous en cette période d'au revoir ô combien difficile. De tendres mots qui apaiseront peut-être un peu sa peine.